Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Amadou Sanyanya Domou Gende Ndiaye, Warul Tite, Warul Ragata, Domou Gende Lumu Touti Touti Gende Rek, Laydon, Ibrahima Nyanenbi sont les deux buteurs des Lionceaux du Sénégal face au Nigeria. Donc Sénégal qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U20 Folletien Pologne. Donc le Sénégal s'est imposé face au Nigeria 2-1 grâce à Amadou Sagna et à Ibrahima Niane qui ont marqué avant la pause pour donner un avantage donc au Sénégal. Donc le Nigeria a réduit la marque à la 50e minute de jeu, mais le Sénégal a tenu bon, le Sénégal a fait le dos rond et le Sénégal assure sa qualification. Face aux Flying Eagles du Nigeria. Donc c'est fini maintenant. Donc Sénégal donc donne Nigeria, parce qu'à chaque fois dans les petites catégories Nigeria donne défaut le bagage, mais cette fois-ci donc avec Youssoupha Dabo et la bande à John Lopi, donc le Sénégal s'est imposé dans un match difficile, il faut le dire, un match qui mettait trop, parce que c'est la tactique choisie par Youssoupha Dabo. Comme d'habitude donc dans la compétition, Sénégal accepte de subir, mais donc en plaçant des contre-attaques rapides, des contre-attaques donc incisives, des contre-attaques expéditives. Donc c'est sur des contre-attaques ou bien sur des récupérations de balles très très hautes que le Sénégal double et Sénégal def différence. Parce que c'est l'eau pour une récupération de balles au milieu terrain, John Lopi, Djok Kiri, donc Ousmane Kabedjan Djok dans la profondeur, Amadou Sagna avec sa rapidité, l'attaquant de Kaïr Foot donc a traversé la défense, a percé la défense donc des Nigériens pour battre le gardien de Naroulé à la Thierry Henry 1-0 et 4e but de la compétition pour Amadou Sagna. Donc Amadou Sagna dafa am Sagna bal bi ci bir kan yi, donc 1-0. 10 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 45e minute de jeu, Ibrahima Niane marque le 2e but de la rencontre. Donc l'attaquant du FC Metz a toujours été au bon endroit. Donc sur récupération de balle très très haute, John Lopi dafa jox Kiri Amadou Sagna. Amadou Sagna décalé dans un dédoublement Alpha Diongou. Donc Alpha Diongou tay marche bourré le ref, il a été au four offensif et au moulin défensif. Donc four offensif bi motax mu accélérer teug centre Ibrahima Niane ñew. Donc du pied gauche, il a marqué donc le 2e but de la rencontre. Ibrahima Niane marque son 2e but donc dans la compétition, 2 buts en 3 matchs. Amadou Sagna donc 4 buts en 3 matchs. Donc sont les deux meilleurs buteurs des Lionceaux du Sénégal dans cette compétition. Gis nañ né tay Sénégal dañu défendre, motax Sénégal ils ont concédé beaucoup de fautes. Donc fautes bari na tay Sénégal def na ay fautes yu bari. Sénégal def na 11 fautes, Nigeria aussi def na 11 fautes surtout dans la deuxième partie de la seconde période. Donc Nigeria dañu ñeu mi-temps parce que dañ leen mené 2-0. Nigeria ñeu dal ci kaw Sénégal. Donc indil ko Al Khatir bu metti Nigeria dougal à la 50e minute de jeu, mais Sénégal tenir bay 63e 65e minute. Donc température baissée, Nigeria xaw wañi, Sénégal jëlat donc ballon bi après repartir à l'attaque. Motax avec l'entrée de Ousmane Niang donc qui fait beaucoup de bien à l'équipe nationale du Sénégal, parce que Ousmane Niang il est capable donc de tenir le ballon et de faire des courses et donc de perturber la défense adverse. Motax donc entrée baxone trop, donc Ousmane Niang a réalisé une belle entrée. Donc le joueur de Djamba, donc au total Sénégal amna 5 tirs cadrés malgré la domination nigériane avec 55% de possession de balle contre 45% de possession de balle pour les Lionceaux. Donc 5 tirs cadrés pour le Sénégal pour 10 tirs non cadrés. Donc au total Sénégal donne 15 fois au but, Nigeria am 4 tirs cadrés, 1 but et 7 tirs non cadrés, donc 11 tirs au total. Je vous dis que Sénégal, Nigeria domine le coup, Nigeria am la possession, mais le Sénégal a été beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que Sénégal dañuy défendre mais ils attaquent en même temps, ça attaque rapide lañuy def, ils ont de tout. Après, ils ont des joueurs rapides, donc Amadou Sagna dafa gaw, Ibrahima Niane aussi il a une vitesse et un bon placement. Te Youssoupha Badji c'est lui qui fait les déviations, les orientations de jeu. John Lopi donc Ousmane Kamedjian et donc Amadou Sy sont précis dans les passes, donc les latéraux montent, surtout Alpha Diongou qui a été énorme aujourd'hui. Alpha Diongou c'est un joueur très très technique même dans la défense, donc du sang de balle et il est donc capable d'apporter offensivement. Montant il a dribblé une passe décisive à Ibrahima Niane donc à la 45e minute de jeu. Donc Sénégal donc ils ont fait le dos rond, mais tay gis nañ Sénégal gagne et voleur yeuf gagne lañ def doom gagne lu mu tuti gagne rek lay don. Donc gagne ndjay tay dañu bu baye sen bakane terrain bi def ko à la tiara toccani patialingom rit beugé ala. Donc comme nous le disait dans l'axe, donc Souleymane Djimou Cissé il a été très très fort dans les duels, donc tous les duels aériens presque il les a gagnés, le défenseur de Stade Mour et donc Kiri le Koulibaly des U20, c'est-à-dire Moussa Ndiaye a été propre à l'argent et intelligent dans son placement tactique. Donc c'est un grand libéro Moussa Ndiaye. Djali Ndiaye aussi chapeau,
Donc il a sauvé beaucoup de balles de but, surtout à la fin de la, donc au niveau de la fin de la seconde période, donc de la première période, Ayet Nafa, Ben Diakarlo, et il a été bon dans les balles aériennes. Donc Diallo Ndiaye aussi, rien à dire. Donc même si Tay encaissé, mais Diallo Ndiaye a réalisé une excellente prestation. Donc de manière globale, le Sénégal a souffert, mais le Sénégal s'est imposé grâce à son efficacité, grâce à ses contre-attaques rapides, mais aussi grâce donc à son mental d'acier. Donc mental bi baxna. Donc les Lions a am ngeen exemple parce que boy ni foulé ni son foulé fele ci Égypte yakana di ngeen am dara parce que boy il se donne en fond, il mouille le maillot de l'équipe nationale du Sénégal et son réaliste devant avec Amadou Sagna, la flèche de Kaïr Fall et aussi Ibrahima Niang, donc la gâchette Messine, donc le meilleur buteur donc actuellement, donc ou bien le deuxième meilleur buteur des Lionceaux du Sénégal, donc derrière Amadou Sagna. Donc le Sénégal, bravo donc au coach toujours Youssoufa Dabo, qui montre que il a un bon groupe, joueurs ils sont impliqués, il fait les bons changements et il donne les bons conseils. Donc bravo Youssoufa Dabo, tchakao tchakanam, coupe la new bug Dabo, coupe la new bug Tchajaros Ibrahima Sanya. Donc Gaïna Ndiaye warul titre, warul ragal, donc en route vers les quarts de finale. Mais il y a une mauvaise nouvelle, Dion Lopi ne va pas jouer. Donc Dion Lopi doit jouer, donc dafa am carton face à la Colombie, donc dafa am carton aussi face à la Pologne, tay mo amat carton, donc Dion Lopi ne va pas disputer les demi-finales, donc les quarts de finale de cette Coupe du monde U20. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Dion Lopi, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale du Sénégal actuellement, ne jouera pas les quarts de finale de la Coupe du monde U20. Donc ça c'est malheureux, mais on a donc un bon banc, donc remplaçant nañ mëna ñëw def différence. En tout cas, on a un bon groupe. Youssoufa Dabo tchakaw tchakanam, coupe lañu bëgg. Doomu Gaye Ndiaye warul titre, warul ragal. Donc ma ngi bëgg ñëp tous les supporters des Lions Sénégal diaspora, ma leen bëgg et abonné leen à la chaîne, cliquez leen ci cloche bi parce que quand c'est important, c'est sur Grégoire Omnisport.